Non, je vais faire vite. On est le 28 janvier. Donc, on est toujours sur l'état 1. J'étais à 4000 et quelques rencontres. Je vais prendre le papier pour regarder. J'étais à 3879. C'est un petit peu moins. Je rentre avec le cours. Et je me dis, j'ai un peu la flemme de continuer. Et j'ai fait le faire repérage pour l'étape 2, vu qu'avec Becky, on avait vu qu'il y avait des arbres à écorce, il y avait 50% de pierre avec 30% de Carino, 20% de Capumin. Sachant que Carino, c'est un de mes chenilles préférés. Et que j'ai raté un Capidex sur l'usine de combat. Donc, puis une pierre avec me gênait pas. Donc je me suis dit, j'ai au moins repéré où est cet arbre. Et j'ai trouvé l'arbre. J'ai trouvé en fait d'abord deux pierres avec un cap humain retombé sur Scarino et Scarino n'apparaît que sur ces arbres là. Donc j'avais cet arbre là. Donc je me suis dit bon, je vais en faire quelques-unes. De toute façon, je trouverai pas, ça fera monter un peu le chiffre. Donc ensuite un cap humain normal, ok. Ensuite un autre cap humain normal, ok. Et c'est après, j'ai tourné la tête vers l'écran pour regarder une photo. Et quand j'ai reposé les yeux sur la console, j'ai vu le cauchemar, un chenil magnifique, qui il serait arrivé dans 3 jours, ça aurait été génial. Là il arrive tout de suite, c'est un chenil que j'adore. Bon, comme ses coups de boue, je vais le mettre à 372, hein, pas, j'ai pas rajouté à mon fil, j'ai rajouté au chef des coups de boue plutôt, tête de cul parce que c'est head butt, en anglais head, tête, butt cul, donc tête de cul. Dur, donc ça donnait boule, je dis pour boule et tout. Alors bon, donc vous l'avez sûrement deviné, il s'agit. Bon, en plus, c'est celui que je voulais numéro 3, même si j'aime bien, c'est bien ça avec les niveaux 4, c'est un mal. Bon, c'est con quand même. Bon. Tant pis, on va le capturer, ça peut être bien. Une fois que je suis habituel, ça c'est aussi le. Et surtout que ma crainte n'était pas ça, c'est que depuis ce matin, je chasse en double avec un gold pour monter un peu plus vite le chiffre. Et moi j'avais peur, c'est que sur un gold, je faisais la même recherche finalement, mais je me suis dit que je ne montrais pas si c'était sur un gold. Et il y avait Miniga, en plus Miniga étant un chenil j'adore. Donc j'avais commencé, je me suis dit, bon, surtout faut pas le trouver sur un gold. Et j'avais même pas pensé à cette possibilité-là. Donc, fauche. Pas besoin d'endormir. On va le capturer dans une boule, je sais pas quelle boule. Juste sa couleur, une rapide boule. Une rapide boule, tiens. Excusez la qualité, c'est toujours qualité portable, c'est toujours pas ça. Donc je le recenserai pas, j'ai fait la vidéo. J'ai hésité un peu, j'avoue ma malhonnêteté, j'étais prêt à le recenser. Mais je suis dit, non, ça sert à rien de tricher. Il s'affiche pas avec, c'est génial. Sûrement, je viens d'en pas pour le moment. Ah si, j'en avais un. Alors oui, c'était pour rapace de pique, c'est la route 48 que j'ai prévue. Donc. Montre qu'il n'y a pas mon AR. Ça pourrait être une AR, c'est le modèle, mais en tout cas c'est pas la mienne. Donc, Necrid. Aucune référence à Soul Calibur, c'est aucun rien à voir. Donc, on va faire 2 coups de boule supplémentaires. Truc simple, après c'est un peu les 6h45, je vais rejoindre moi. Je vais m'occuper de mon carte avec un puma normal. Il ne faut pas que je tarde. Avec un puma normal, j'ai un autre. J'espère que ce soit un Scarino. C'est-à-dire que ce soit Scarino chez Nid de rencontre après. Bon, ce serait bien, mais. Quand même. Un pièce avec normal. J'avais un doute que ce soit vraiment un pièce avec chez Nid, mais ça m'est bien. Donc, quand je vais faire un sacrilège, on va l'obliger à mourir. On pouvait les étoiles. Waouh. On peut pas dire que je suis déçu. Je suis un peu déçu que ce soit l'étape ou que ce qui soit pas recensable. Je suis déçu que ce soit pas Scarino au Cap Humain, mais bon,
Il y en a beaucoup qui détestent Café Bécard parce que Pic, moi je les aime bien. D'autant que avoir le doublon ça me gêne pas tellement. Donc c'est pas perçu en tant l'Amandine qui se ramène. Donc la nature. Bon, je vais montrer un peu mon équipe. JS Bogos. Mon doudou a des jolis sourires. Lui en fait il sert à rien. Mais c'est au cas où il aurait besoin de faire des trucs avec le sexe après je le garder en position. Ronflex, parce qu'il a un cri court. Vous pouvez comparer avec Nodou. Il a pris très court pour les rencontres, c'est pratique. On sait faire faucheur, au carnage, police pour vol, pas caillou, en plus c'était pour beaucoup de boules, mais à l'origine normalement c'est un surfeur. Je sais même plus qui c'est, je crois que c'est Krabi. Bref, pièce à mec, regarde pas. Shiny, regard vif, c'est un bon truc, t'as dit. Je regarde pas la nature. Je parierais sur Modeste. Calme. Non, nature pas terrible. Localisation bien sûr, mais quand il y a entité, je vois plus ce que c'est. Donc vous allez voir, c'est bien Chiraco, c'est bien la bonne version. Mais c'est pas le même moment. Bon, alors le dédicace à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a qui fait quelque chose? Peki pour Fantominus, Missy pour Founette, Al pour je sais plus qui Fantominus si je crois, puis tous les autres participants du tour, je peux passer sur tous ces trois là, qui sont mes gros copains, mais... Sylvain aussi, je sais plus ce qu'il recherche, mais il participe au tour, puis bon les autres, hein, parce que faut de la chance à tout le monde, bon là la chance elle n'aurait pas été au bon moment pour moi, mais bon. Je suis content quand même. Bon, salut. Et Spinda, comme dirait Joost.